nom, 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 nom. Ah, c'était bon. C'était délicieux. Parfait pour un peu plus d'endurance. Salut tout le monde, je suis Inal, Salinik, et aujourd'hui, on se retrouve pour un 8e, ce me semble, épisode de Momodora, où nous franchissons enfin cette porte. Repos du clair de lune. Maille, ça a l'air... cosy. Très sincèrement, cet endroit en particulier me fait penser à Minoria. Bonjour. Hop. Mais... Je crois que les ennemis qui m'ont attaqué au tout début, c'est les ennemis type de Minoria. J'ai un doute. Si vous aussi vous avez un doute, je vous invite à aller voir mon playthrough de Minoria. Disponible également sur cette chaîne. Ok. Nul de traversée. Mais... qu'est-ce que... cette claque renferme l'histoire de notre monde telle que racontée par la prophétesse... telle que racontée par la prophétesse blanche d'Islis. Il y a fort longtemps, deux lunes vivaient dans l'océan d'étoiles. L'une à l'image de la beauté parfaite, l'autre à celle des ténèbres tentatrices. Les deux lunes sœurs avaient longtemps cohabité pacifiquement. D'accord. What is that? Oh fuck! Y'a un gros! Et je le vois très mal dans l'obscurité. Je vois juste sa massue, je dois dire. C'est pas grave, ça se gère. Oup, 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 oup. Mais je peux pas le toucher. Wow, doucement. Dangereux. C'est tout. Je crois que c'est tout. Ouh. La suite de l'histoire. Oh, une petite prière, c'est gentil. Je sais pas où j'ai mis les pieds, vraiment. Ah. Plus de puissance. La plus petite des lunes, Céline, finit par envoyer la lumière de la plus grosse. Elle désirait la grâce dont il manquait. Avec l'aide des ténèbres, la petite lune combattit la grosse. Tout de suite. Allez. New fight. Ah! Non pas... non. Merci pour la tonne de trucs. Non, mes thunes, mes pépettes. Ok. Vous savez quoi? Mon comparse, il est bien mignon. Mais je veux Grimalkin. Par contre, de ce fait,
Voilà. On va récupérer des tonnes. Ah, serpent! Ah, je me vois mal. Avec les dégâts qui se stackaient, j'étais persuadé d'être de l'autre côté. Grimalkin, un petit peu de soin, ce serait du pas de refus. Allez, next is. Nos batailles firent rage des jours durant, faisant couler leur sang sur nos terres. Le conflit ne cessa que lorsque la petite lune prit un œil à la grosse lune. Après avoir dérobé l'œil, la petite lune fut capable de briller, elle aussi. Tu veux pas me donner un petit peu de magie, s'il te plaît? Ça me serait utile, tu sais. On va se taper un de ces boss, je vais pas le voir venir. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Des mythes. Ok, c'est pas grave, on y retourne. J'étais pas prête. Est-ce qu'on va devoir tous se les retaper ou ça... Non, ça devrait aller. On veut la suite de l'histoire, nous. Le changement de zone m'a mis en doute. Mais non, tout va bien. Est-ce que je suis... Putain, j'ai bien descendu! Oh non, pas cette zone! Secours! Au moins, l'endurance remonte pas... plutôt vite, quand même. Ça, c'est bien. C'est bien le moment. J'en ai pas besoin! C'était ici? C'était pas ici. On y arrive, on y arrive! C'est long! Allez! La revanche! Vous êtes gérable. Ok, ça c'est géré. Qu'est-ce que c'est que... Ok, ça c'est géré. Je suis vexé. Je suis vexé. Qu'un gros crabe qui ressemble pas à un crabe, c'est tout. Et toi, tu sers à rien. Voilà. Ouh. Ah non, mais je vous jure, c'est assez inattendu, je dois dire, comme adversaire. Je m'attendais pas du tout à ça, mais voilà. Oh oui. Ram. Niam. Mais les tisserandes du destin ne cautionnaient pas la querelle des lunes. Afin de limiter les dégâts, les deux lunes furent plongées dans un profond sommeil. Avant de sombrer, la grosse lune fit un cadeau à notre peuple. Oui. Non, c'est trop... Père Atreus! Ta, pré...
présence ici n'est pas permise. Mais je sais pas qui t'es. T'as l'air mauvais en plus. Je peux pas changer de sigil, je crois. Non. Là ! Ok, je dois dire, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Aouh ! Tu fais mal avec tes os. Ok, on s'écarte, on s'écarte. Tout va bien. On gère. On gère le machin. Ces attaques sont assez limitées. Donc tout va bien. Par contre, c'est long. C'est très long. J'aimerais beaucoup avoir mes sigils de dégâts, là. Et pas d'exploration. Vraiment, tu veux pas juste mourir? Parce que, comment dire, t'as pas vraiment beaucoup de chances de réussir à me faire quoi que ce soit actuellement, hein. Qu'est-ce que... Deuxième phase? Non, c'est toujours toujours la même rengaine à ce que je vois. Fine! Tu sais, j'ai abandonné l'idée de faire un O8, hein. Ça sert plus à grand chose ce que tu fais là. Vu qu'il n'y a aucune récompense au No-Hit. À part la propre satisfaction personnelle. Mais bon, étant donné que maintenant je sais comment tu fonctionnes. Voilà! J'ai déjà fait assez d'ennemis avec du No-Hit. Tu n'en fais plus partie. Tu n'as pas ce luxe. Surtout que ça commence à dater la dernière fois où tu m'as touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends ça. Wow! Ouais, tu peux te mettre en colère autant que tu veux, ça ne changera rien. Tu vas voir, je vais gagner, tu vas perdre. Je suis full life, full énergie. Toi non. Ah là là, les combats ennuyants. Là, là, tu fais ça. Après, tu vas faire ton petit laser. Voilà. Ton petit laser. Après, tu vas m'envoyer des os. Ah non, excuse-moi. Tu ne vas pas m'envoyer d'os sur la tête. Tu vas mourir avant. Arrgh! À moi, le sigil! Une puissante lame magique apparaît parfois pour vous épauler lorsque vous infligez des dégâts de mêlée. Maï, voilà qui a l'air fort sexy. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut le voir en action en vrai. Il faut le voir en action parce que là, tel quel. Merde. Nous autres humains ne pouvons qu'admirer sa lumière éthérée et aspirer à sa grâce. Ce foyer du clair de lune fut ainsi bâti pour abriter son cadeau. Un temple pour la déesse endormie. Oh. Poussière de clin de lune argentée obtenue. Qu'est-ce que ça? Un cadeau de la lune à destination des habitants de l'ancien royaume d'Islist. Elle a été consignée dans un sanctuaire dédié à Ilinef, la déesse lunaire. Ok. Bon, bah j'ai de la poussière de lune. Parfait. Qu'est-ce que... Mais je suis de retour ici! Limit. Par contre, niveau thune, on est bien. Bon! Cette descente fut faite.
On pourrait redescendre ici, hein. Mon avis, que c'est là-bas qu'il faudrait que j'aille. Mais on va aller ici. Blap, blap, blap. D'accord. D'accord, c'est très sexy. Je vais beaucoup l'utiliser en combat. En combat de boss, j'entends. Parce que là, on est en exploration. Et en exploration, bah... je veux... Lawa. On va changer un petit peu, on va varier les plaisirs. Parfait. Et on va contourner ces trucs. J'avais été un petit peu en off, j'avais avancé un petit peu, mais j'ai vite fait demi-tour parce que là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ont évolué. Comment c'est ? Tout droit, ce me semble, c'est aussi un cul-de-sac. Mais il y a ces bestioles-là qui sont apparues. Je sais pas trop ce que c'est. Elles sont un... sont tuables. Mais à part si elles commencent à m'emmerder, on va juste se contenter de les ignorer. Voilà. On les ignore. Bonjour. Parce qu'elle pose pas réellement de problème. Je ne sais plus. Est-ce que en dessous, ça ne sert à rien d'y aller? Oui. Bonjour. Permettez que je vous ignore. Voilà. On passe sans se retourner et... Blablabla. Il m'a fait peur. Il m'a vraiment fait peur, cet andouille. Voilà. Pouing. Les bébules, encore, qui nous bloquent le passage pour je ne sais quelle raison. Et surtout... Rien. Le champi. Le champi et ses nouveaux gardes du corps. Ne me posez pas de questions. Il sert à rien, ce champi. Il sert à rien. Là, il y en a d'autres. Ok, je peux toujours regagner des PV par, malgré la, la malédiction m'empêche juste d'utiliser les soins. Mais je peux toujours regagner des PV de par... bah, mes sigils. Qu'est-ce que... Ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé du tout. C'est pas grave, on est... Non. On n'est pas si loin que ça. Vous retaperez le chemin avec moi. Allez, on est parti. Blap. Méchant. Puis au moins, ça va augmenter la quantité de thunes que l'on a. Tout est une bonne occasion de se faire de l'argent. Pas vraiment. Il faut savoir se poser des limites. C'est important. Blé ! Ça vous prie de plante. Ouais. Je l'ai. Non ! Hop ! Je l'avais. Voilà, je l'ai, disais-je. Méchant poivreau. Voilà. Voilà. Ça se gère, ça me récolte un petit peu de PV. On va sonner la cloche, hein, c'est gratuit après tout. Se naver. Voilà. Je crois que le champignon, il est juste en dessous. Ouais, c'est ça. Il y a un truc à faire dans cette zone. Dans la zone du champignon, mais je ne sais toujours pas quoi. Donc, bon. Mais il y a maintenant qu'il y a des...
Méchant champi, va-t'en le champi. Voilà. Je suis full life. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Voilà. Et c'est là qu'il y a les deux. C'est ici. Je les gère pas du tout ceux-là, ils sont pas stagger. Qu'est-ce que c'est que ça? Mai gauche. Qu'est-ce que pour... Il y avait une plante, je suppose. Hey, comment t'es arrivé jusqu'ici, toi? Est-ce que t'as encore des sigils que tu peux me faire? Non, hein. Que pouic. Pourtant, je suis riche, hein. Tu t'en fiches. C'était ici que je l'avais affronté, le chat. Juste à côté de... Ah, c'est ça. Et ici, je ne sais plus ce que j'avais récupéré. Mais ouais, c'était juste là. Intéressant, intéressant. Faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter la barre d'endurance. Parce que ça devient fatigant, disons. Il n'y avait pas un truc là-haut que je ne pouvais point récupérer avant? Non, ça a déjà été récupéré. C'était juste qu'il me manquait le double saut. Non, non. La richesse est sur moi. La richesse est en moi. Tout à droite. Il m'a fait peur, lui. Tout à droite, là, il y a l'ascenseur. Et le fameux ascenseur de la mort. Papa. Doré. Avec un mur qui nous prévient probablement de faire un truc comme ça. Voilà, qu'est-ce que je disais? Cube simple. Qu'est-ce que c'est? Cube simple, explorateur. Vas-y, je veux un cube. C'est très pixelisé. Mais ça fait très bizarre d'avoir un cube qui me suit. C'était pas les mêmes que j'avais affrontés. Qui m'étaient spawnés dessus. Ah! Des champis! Bien. Vous m'excuserez, mais j'ai pas envie de m'occuper de vous, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête à vous gérer. C'est qui tombe bien parce que j'ai un arc. Pourquoi je suis en train de faire ça, moi? Pourquoi je suis en train de faire ça? La sortie, elle est au-dessus. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Moi, je veux la sortie. Oui. Navré. Navé. Mais je me contrefiche de vous. Je me demande si, en fait, je suis pas sur le bon chemin. On le fait. Je me pose vraiment la question. Là, je me suis fait niapper. Je me suis faite maudite.
Parce que tous ces trucs qui sont été ajoutés. Vraiment. Me questionnent. Bah alors? Merci! Comme. Je vois. Pourquoi il y avait une bubu pour m'empêcher d'aller là? Okay. Ça va être énervant, mais pas tant que ça s'est bien passé. Il y avait quoi par là? Les trucs dont on se contrefiche totalement. Parfait. Va-t'en, toi. Bla. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On pourrait continuer de remonter. Mais je dirais que ça n'en vaut pas le coup. Non, de toute façon, le point d'interrogation, là, c'est le champi. Et les seuls points d'interrogation qui méritent d'être explorés, c'est ici. Donc, poursuivons. Qu'est-ce que... Bonjour. Si tu me dis que j'ai fait tout ce chemin pour ça, je vais pas aimer. Salut, man! Laisse-nous! Ok. Qu'est-ce que tu veux? Dégage! Oh, du calme, je suis pas ton ennemi. Je m'appelle Momo. Je suis une prêtresse du village de Koho à la surface. Je me fiche de savoir qui t'es ou d'où tu viens. Il y a des enjeux bien plus importants, comme le déclin progressif de l'arbre de lune. Vous autres Koho n'étiez pas censé protéger l'arbre coûte que coûte. J'y travaille, ok? Alors tac. Si, il en va de notre devoir. Et nous faisons tout notre possible pour l'honorer. Tu dois me croire quand je te dis que l'arbre de lune ne veut dire beaucoup pour nous. Je ne dois rien croire du tout, étant donné que je protège bien mieux l'arbre de lune que de moi-même. Tu veux parler de ces bulles? Elles viennent de toi? C'est mon incantation d'aquamancienne, extraordinairement supérieure à tout ce que tu pourras jamais invoquer. J'ai une feuille. Tu n'imagines pas tout ce que je suis capable de faire avec une feuille. En l'occurrence, terrasser des démons mille fois plus gros que toi. Mes bulles empêcheront les démons de gagner là du terrain dans l'arbre de lune. Oui, je sais pas. Je suis pas convaincu, tu sais. Tes efforts sont louables, mais les bulles me freinent moi et les autres prêtresses. Parce que nous aussi, on s'efforce de protéger l'arbre de lune et d'améliorer la situation. Je peux te demander d'annuler le sort pendant un petit moment, que je puisse me déplacer plus librement. Pourquoi je devrais t'écouter? La douleur subie par mon peuple. La destruction de nos terres. Tout est de la faute des humains. Ces humains de casse qui ont réduit les poissons en esclavage à l'époque. Oh, il vénère. Je suis désolé que ton peuple et toi ayez dû endurer de tels événements. C'était une période difficile. Je ne peux pas parler au nom de Kars, mais les Koho-nés aspirent à la paix et à l'unité. Et je comprends tes réserves, mais... Écoute-moi, j'ai vraiment besoin de ton aide. Genre... Vraiment, ça te convainc? Fais-moi confiance. Toi et moi œuvrons pour la même cause. Putain, c'est très motivant ce discours. Très convaincant. Juste cette fois alors. Merci. Dépêche-toi avant que je change d'avis. Bien. Tourne-toi les pouces et l'arbre mourra. On vous a choisi, vous, pour le protéger. J'y vais. T'as vu mon cube? Ok. Je crois que je suis sur mon chemin. Mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous souhaite à tous une agréable journée. Et je vous dis... Qu'est-ce qui fait noir ici? À la prochaine. Bye bye les gens.